Folklore ZK. Monsieur Prof. RAF. Kajun. Yeah. Ok. Il a enterré ses rêves de gosse, sans tarde d'être le boss, écoute d'une fuite dans son poste. Il a appris à fermer sa gueule pour ne pas être emmerdé, ne suit pas la tendance et a du mal à émerger. Il fait son truc dans son coin et s'en fout du move, il cracherait volontiers sur la variette et s'en fout du groove. S'il fait couler de l'encre, non ce n'est pas pour des broutilles. Ne prend pas le mic pour un objet de pacotille, mais il ne se prend pas au sérieux, est toujours en train de déconner, ne lèchera pas des culs pour pouvoir décoller. Il est trop ou pas assez, n'hésite pas à potasser pour sortir des rimes un peu cabossées. Il est austère et sincère, dans ton crâne il s'insère, ne veut pas finir sur un postérieur. Il pose son postérieur sur le rap et le narrateur, loin des paillettes, ouais, appelle le narrateur. Il a le goût de la provoque. Il écrit plus souvent que je ne parle. Il a le goût de la provoque. On cherche à le faire taire, mais il tiendra le coup comme un pauvre homme. Il a le sourire, mais se cache derrière des masques de clown triste. Dénonce les fake MC, puis démasque les coups de triche. Ni connu, ni une vedette, même pas une star locale. Authentique comme NTM, original comme Scarlogan. Il a vu le jour dans la petite chambre d'un adolescent moche. Les ragots blessants, il laisse un ado tressant moque. Il est loin d'avoir la cote à Pôle emploi. Il a du cœur, te laisse la poire en deux. Préfère couper la pomme en trois. Un peu vulgaire, impertinent, pas philosophe comme Spinoza. Il n'a pas le mental hip hop, il a plutôt l'esprit Mozart. Il est lui-même, joue pas un jeu, évite les faux semblants. Il est modèle, discret, mais voit très vite les choses en grand. La victoire est encore possible, mais la défaite est fort plausible. Si t'es décalé, il te dit bienvenue dans Folklosic. Il a le goût de la provoque. Il écrit plus souvent que je ne parle. Il est austère et sincère. Narrateur, on est voyé, toi. Il est cool, je le kiffe, l'écoute plutôt que les cool. Je suis un père poule, il est ma pouliche, donc j'y passe du polish pour qu'on sera riche. Non, pas de blague, il ne fera pas de vagues. C'est le bad, car quand je dis il, je dis gage. Mais dans les tréfonds de moi, je le sais que c'est un choix. Il est ma caricature, donc pas le droit de partir de traviole. Je n'en ferai pas un travelot pour m'autoriser à travel. Il est revenu, bien plus fort comme un saïen. Là je peux dire maintenant ça y est, car au CD si à mon CV, ce sera lui le civet. Au milieu de leur petit poids, il éclipse l'écran plat à chaque fois qu'il se déploie. Et plus personnel, il m'est vital quand il mâche le travail de mes cordes vocales. Quelque chose que mes proches n'aiment pas, il écrit plus souvent que je ne parle.